Allez, si on ne peut pas battre les chasseurs de démons, on devient chasseur de démons. C'est parti. Oh là là, on va faire un bon T2 là, je pense. On va garder double gangrel, on va aller face, on va gagner. C'est parfait. 100% de win rate cosplay Demon Hunter low cost. Bon, c'est la liste de Felken. Felken qui est quoi? Qui est top 4 actuellement au Grand Master de cette semaine. Est-ce que je ferais pas juste... Attendez, si je fais ça, pièce et ça. Au tour d'après, donc lui, on estime qu'il va pas mourir. Tour d'après, Hero Power dans sa gueule, on tape. Double gangrène, c'est gagné. Faut juste que là, il me le tue pas. Donc ouais, Felken top 4 au Grand Master. J'irai cast cet après-midi. Du coup, je m'entraîne avec ces listes. Déjà parce qu'elles sont fortes. Et comme ça, je vais pas dire n'importe quoi au casque. Au cast. Ah, oh, c'est bon, il me le tue pas. Oh là 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 là. Du coup, on doit faire ce petit pouvoir héroïque. On envoie ça dans la tête et on joue notre petite 3-3 pour 0. On profite avant de nerf. Enfin, je suis si puissant. Tu seras qui au cast? Avec Forda King. Avec Forda King. Merde, c'est fort ça. Donc avec ça, je peux piocher 2. Ça, c'est cool. L'arme, elle est cool. Est-ce que je pioche 2? Ou est-ce que je me dis... J'ai envie de développer du board. On va piocher 2, soyons fous. Allez, un rayon. Pas du tout, c'était nul, nul, nul ce que j'ai récupéré. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû garder la tempo, j'aurais dû jouer ça, envoyer dans sa satire. Dans son satire. Moi j'y ai cru, j'avais confiance dans le fait que j'allais récupérer rayon accablant, mais pas du tout. C'est pas pratique, hein, ce masque de chasseur de démons, là. Je perds patience. Après, on a le glaive. Le glaive, c'est le comeback assuré. Ok. Quoi de mieux, c'est satire ici. Ok, on va faire ça. Felken avec le masque OGM. Ah franchement, s'il gagne, ça peut être stylé. Ok, ok, il trade. Et il est bas en PV là. Je joue mon glaive là et. Je vais face. Et ensuite on tape avec ça, parfait. Ok, je joue glaive, je vais face. Au tour d'après, je joue ça, comme ça je peux prendre des trades. Et invoquer plein de petites 2-2 et c'est gagné. Quelqu'un qui gagne ce soir, il va à la BlizzCon. Non, 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 non. S'il gagne ce soir, il est en très bonne position pour être dans le groupe des winners. Ah quoi, il joue un limon? Il a complètement contrecarré mes plans. Felken serait bien parti pour être dans le groupe des winners et donc avoir beaucoup de chances de se qualifier pour la BlizzCon, tout ça. Enfin, je sais pas comment ça sera exactement. Mais en gros, ça lui permet de quasiment assurer le fait de ne pas être relégué. Et ça, c'est cool. Bon, un crâne top deck est un crâne qu'on joue. Ça, je l'ai appris aussi, c'est bon. Est-ce qu'on a une petite carte à 0 là? Non. En vrai, je pense que je joue rien là, non? Je joue rien et lui il fera un dégât à tout le monde quand on va jouer Altruis. Donc en fait, il fera faire Altruis, le truc qu'on va top deck, Hero Power, le truc là, et c'est gagné. Ou alors juste en fait, Hero Power, je tape dans sa gueule, je joue ça. C'est peut-être plus logique d'ailleurs. C'est peut-être un petit peu mieux, hein.
Après, gagner avec altrui, c'est quand même un petit peu plus stylé. Je trouve ça beaucoup plus marrant, moi. Oui, il est parti. Nice! Le cosplay qui paye. La vision spectrale. Il y a des musiques de WoW, chasseur de démons. WoW, Demon Hunter, Soundtrack. Mais d'ailleurs, pourquoi le son? Pourquoi vous avez pas le son? Si, c'est bon, vous avez le son. Demon Hunter Music, World of Warcraft Légion. Oh putain, c'est fort! Oh putain, mes oreilles! Ok, c'est bon. Merci! Ah putain, j'arrive pas à lire, j'ai pas de lunettes. Merci Pipcrit pour ton abonnement! Bon, lui, il est presque à gauche. On est confiant dans le fait que on va pouvoir jouer la carte qu'on va top deck. Enfin, la carte qu'on va récupérer là, puis faire le coureur pour le truc marginal. Parfait. Oh putain, non, pas si parfait. Ok, go. T'as fait quoi de toutes tes pièces? Ah, toutes les golds, les 14 000 golds que j'avais. J'ai acheté 140 paquets de l'extension. On va jouer de manière prudente. Il joue quel deck fait lequel en tournoi? Il joue ce deck là. Il joue un guerrier œuf, un druide spell et un démozo. Ça peut être pas mal à top deck, ça. C'est encore mieux que ce truc-là. Une 2-1 qui pioche, on dit pas non. Ce sera à quelle heure ce soir? Vers 17 h. Voilà, attendez, on se focus là. On a 100% de win rate, faut continuer. Je préfère en taille juste pour que lui il ait un de plus d'attaque, mais je pense pas que ça soit rentable. On a le crâne qui va arriver, tout se passe bien. Le crâne qui va arriver. La main, le crâne de Gul'dan. Mais du coup, Gul'dan, il est mort. Vu qu'il y a son crâne là. Le mec qui a jamais joué à WoW. Ah, c'est pas le vrai! Je me disais bien. Il y avait un bug. Gul'dan, il. C'est copié. Alors, attendez, un peu de concentration. Donc là, il peut taper deux fois. Génère 2-2-2. Mais nous, on a le puissant crâne de Gul'dan qui arrive de la gauche. Pas de la droite, de la gauche. Petit pouvoir héroïque qui peut tuer là. Un 1 en plus. Vous pouvez pas taper là? Hélas! Ok. Ah. Peut-être jouer ça. Ah, quoique.
Peut-être que je tue ce truc-là quand même, hein. On va faire ça comme ça. Ah, je pourrais jouer le crâne en passant par la gauche, comme ça je joue doublant, je joue le guetteur, double entaille. Je tape, je joue l'aileron, je joue le crâne. Donc le jouer par la droite. Ah ouais, il tue vraiment tout. Hein. Je suis pas loin de le tuer là quand même, il est qu'à 12. Il est qu'à 12. Je vais devoir faire ça comme ça. Du coup, ah non, je peux jouer qu'une seule entaille, ça suffit. Une entaille. J'hésite à taper face quand même. Ouais, je pense que je vais taper face. On joue ça, on joue ça. J'aurais dû jouer le. La 3-2 avant au cas où. Alors tout ça, on va le piocher avec crâne. Donc on n'a pas envie d'avoir entaille jumelle forcément. Vu que ça va être réduit, on préfère avoir un truc qu'on met sur le board direct. Ou alors. Ta jumelle qui est là quand même. Oh là là, on se moque de moi, tout est nul. Terrible. Est-ce que j'ai l'étale au tour d'après? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'étale au tour d'après, ceci dit. Donc ça va. C'est gagné, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec le Hero Power. Easy win. Il manquait un, non? Allez, belle victoire. 2-0. 200% win rate. Tu n'as pas crié, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Non. Non. Putain, c'est tout sauf pratique. Je vois tout flou. Comment ils font les chasseurs de démons qui ont des lunettes? Oh putain, ça c'est bien ça. Oh, vas-y, je garde tout. J'aime bien jouer des 3-3 pour 0. Putain, la musique elle fait peur. Donc là, si lui survit, tac, pouvoir héroïque, face, tac, tac, Z pour 0. Ah merde, il survit pas tout à fait. Genre, il survit, mais il est silence, donc je peux pas invoquer les 2-3-3 pour 0. Je suis très déçu. Ils mettent des dentilles. Ah mais oui, c'est pour ça que leurs yeux font de la lumière. Oh là là, si malin.
Parfait. Cosplay Zoro. Bah oui, vous saviez pas que Zoro c'était un chasseur de démons. Excusez-moi si j'ai pas de quoi faire les cornes. Avec le confinement, tout ça, j'ai pas pu travailler beaucoup ce cosplay. Ou alors j'ai juste tout fait à l'arrache, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on veut? J'imagine qu'on veut ce truc-là. Mais le truc, c'est qu'on va faire métamorphose au tour d'après, donc l'adepte, ça va être galère. Tant pis. Peut-être que j'aurais dû jouer. Non. Parce que là, on est censé faire métamorphose, mais si je fais métamorphose derrière mon adepte, j'aurais pas attaqué avec mon héros. Bonsoir, c'est pas tard normalement ce matin. Incroyable. Oh non, le bâtard! Oh, et en plus, je vais pas pouvoir jouer ça en. Oh, c'est catastrophique. Bah, du coup, je vais pouvoir faire mon adepte. Pouvoir qu'on tape, on fait l'adepte. Et après, on voit pour métamorphose plus tard. Non, pas le crâne! Hélas! Ya! Le puissant adepte, hein. Pas encore nerfé, bientôt à 6 d'attaque. Est-ce qu'on va faire le 3-0? En vrai, c'est chaud contre chasseur de démons de. Enfin, contre chasseur de démons combo, de gagner en chasseur de démons aggro. Pas évident. Mais il a fait l'altruis assez tôt, faudrait pas qu'il me fasse un gigavol de vie. Il a déjà fait les deux entailles aussi. Donc, même avec son arme, il fait pas tant de dégâts que ça pour se soigner. Ah. C'est pas la meilleure utilisation possible d'une carte avec écrit marginal dessus. Frappe du chaos, est-ce qu'il a en plus l'arme vol de vie? Okay, il prend cher quand même, ceci dit. Pourquoi il va face? Quel est l'intérêt? J'aurais trade à sa place, moi, quand même. Bon, il y a un crâne, on le joue, hein. Même s'il y avait d'autres trucs intéressants. Oh non, mais tout ça, c'est nul, je peux rien jouer. Je pense pas qu'il me tue là. C'est impossible. Il a déjà fait tous ses sorts à 0, ses sorts à 1. Il lui reste quoi? Une deuxième entaille. Ça suffira pas pour faire son Keltas. Non, non, il me tue pas là. Impossible. Oh, c'est chiant ça. Aïe, 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 aïe. Alors, si je fais ça. Tape. Là. Je fais ça dans sa tête. Et le rayon là-dessus. Pour me soigner un peu. Je tape là et je retape dans sa tête. C'était pas mal ce tour. On est à 11. Pareil, je pense pas qu'il nous tue à 11.
Faudrait qu'il puisse faire Keltas plus plein de sorts. Non, c'est bon, il est one-off. Ça fait plus Zoro que chasseur de démons. Mais oui, mais excusez-moi de pas avoir mes yeux qui sont réellement verts. Moi, je fais ce que je peux, hein, avec ce que j'ai. On m'a dit, Tars, tu devrais devenir un chasseur de démons. Plutôt que de les subir, je deviens un chasseur de démons. Mais c'est pas grave, parce que... Regardez, quand je vais mettre la vidéo sur YouTube, et que je vais faire une petite vignette, là, je pourrais photoshopper les yeux tout verts. C'est ça, tout... on va créer l'illusion, en fait. Et ben on a l'étale. Parfait, 3-0.